heaven, saying, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Behold, the tabernacle of God is with man. Amen. C'est une ville. It's a city. C'est une épouse. It's a bride. Mais c'est aussi un tabernacle. It's also a tabernacle. Amen. Amen. Et frère Branham nous dit que Jésus en allant, il dit que je vais vous préparer une place. And Jesus, when he was gone, he said, I'm going to prepare a place for you. Et le frère Branham nous dit que je ne pense pas qu'un être surnaturel vivra dans une maison littérale. Branham said, I don't think a supernatural man can live in a place made of dans une maison faite de briques et de mortier. So living in a place in a house made of bricks. Et le frère Branham nous dit que Jésus n'était pas parti construire des maisons. That Jesus did not go to build houses. Frère Branham dit, quand Jésus disait ça, said, when Jesus used to say that, il s'agissait de corps. It was about bodies. Et Jésus lui-même a dit, and Jesus himself said, que le temple, that the temple, c'était son propre corps. It was his own body. Dans le tabernacle, the tabernacle, qui était préparé, that was prepared, ce sont les corps, his bodies. Et quand Jésus reviendra, when Jesus will come, il doit revenir avec ça. He has to come with it. Il revient avec le tabernacle. He comes with the tabernacle. Et il a dit, and he said, pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. So that where I am, you shall be also. Et la Bible dit, the Bible says, nous serons semblables à lui. We will be like him. Nous le verrons tel qu'il est. We will see him as he is. Amen. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. We will see him as he is. Il n'est pas l'homme de Galilée. He's not the man of Galilee. Il était une nuée. He was a cloud. Il était un logos. He was a logos. Et il nous a créé dans son image. And he created us in his image. Image. Quand il revient, lui, when he comes, il doit ramener notre véritable image. He has to bring our true image. Si lui il est nué, if he is the cloud, c'est que nous aussi nous sommes des nuées. That's mean we also are the clouds. Et quand il revient, and when he comes, le voici qui vient avec les nuées au pluriel. Behold, he comes with clouds. Et ces nuées-là, and those clouds, c'était ça l'épouse. That was the bride. C'était ça la ville. That was the city. C'était aussi la cité. It was the city. Amen. Et le Bible dit. And Romans says this. Vous voyez dans le message. You know, in the message. Quand on parle de choses, when we speak of things, ça produit des guerres. It produces war. Pourquoi? Why? Parce que le frère Branham a dit, d'abord le livre de l'Apocalypse a été mal compris. First, the book of Revelation was misunderstood. Deuxièmement, secondly, le frère Branham parlait aux deux vignes. Branham was speaking to the two vignes. Vignes, c'est quoi? Cherche le résumé. Résumé des âges. From our studies, we have already learned that much of the revelation is totally misunderstood. Amen. Le frère Branham nous dit, Branham told us, que d'abord le livre d'Apocalypse est mal compris. First of all, the book of Revelation is misunderstood. Oh, le passage que nous avons pris, the Bible verse that we took, c'est Apocalypse 21. It's Revelation 21. Ça a été mal compris. It was misunderstood. Quand on parle de la ville qui descend, when we speak of the city coming down, les gens pensent que c'est une ville comme Londres. People think it's a city like London.
Sa descente du ciel, un ciel qui est au-dessus de nos têtes. Coming from heaven, a heaven above. Une compréhension erronée. A misunderstood. Le frère dit, parce que nous ne savions pas auparavant que l'église à laquelle et à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement Ecclesia, les élus. Because we have not formally known that the church spoken in this book does not refer to the pure Ecclesia. Donc quand le frère Branham parle, when Branham speaks, il ne parle pas simplement aux élus. He doesn't only speak only to the elected. Mais il parle aussi à la force venue. He also speaks to those who are not elected. Amen. Et c'est comme Jésus. It's like Jesus. Quand il parlait, when he was speaking, talking, dans la foule, il parlait en parabole. When he was speaking to the crowd, he was speaking in parable. Un cultivateur va dans les champs. A farmer went to the field. Il a planté. He sowed. Après, il est parti. He went. Un ennemi est venu la nuit. The enemy came at night. Il a aussi planté. He also sowed. Ah, il est parti. And he left. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Matin ici, non. The preachings. Amen. Et les gens sont partis. And people went. Le monsieur est un grand prédicateur. Il a bien prêché. C'est quel prédicateur? Mais c'est Jésus. Jesus. Ah, tu es dans son église. Oh, you go to the church. Oui, je suis dans son église. Yes, I'm in his church. Mais, but, le soir, at night, quand il rentre maintenant à la maison, when he goes back home, avec un petit groupe, with a small group, il pose la question. Ask the question. Mais quand tu parlais de cultivateurs, là, il voulait dire quoi? When he was talking about those farmers and fields, what were you talking about? Et Jésus leur dit maintenant, and Jesus told them now, que cela vous a été donné à vous, that was given to you, de saisir le mystère moyen. Catch the mystery of the kingdom. Cela n'a pas été donné aux autres. That wasn't given to the others. Mais cela a été donné aux disciples. But it was given to the disciples. Donc, dans l'église, dans la foule, in the church, in the crowd, il y avait aussi les disciples qui étaient là. The disciples also were there. Mais il y avait aussi la foule. There was also the crowd. Et mais Jésus parlait à tout le monde dans la foule. Jesus was speaking to everyone and they said, mais vous savez qui est l'explication? But for the explanation, c'est dans la chambre. It was in the room. Et le lendemain ou le dimanche prochain, quand ils allaient voir l'église, the next Sunday when they go to church, et quand Jésus parlait, when Jesus speak, il y avait maintenant deux compréhensions. There were two understandings dans l'église. In the church. Les disciples le comprenaient autrement. The disciples understood him differently. Mais les gens de la foule, but the crowd, comprenaient aussi autrement. Understood also in other ways. Mais là, si Pierre pouvait venir, now if Peter would have come, pour dire que tu vois l'ennemi qui est venu la nuit là, you know that the enemy that came at night, c'est Satan. It's Satan. La nuit là, the night, c'est les âges de l'église. It's the church ages. Mais on va dire à Pierre fausse doctrine. They will tell Peter false doctrine. Parce que nous étions à l'église. Because we were in church. Il a prêché. He preached. Mais il ne savait pas que dans le mystère du troisième groupe, but he doesn't know in the mystery of the third group, yes, Dieu a aussi prêché les disciples. God also preached to the disciples. C'est pareil avec chaque croyant du message. It's the same with every believer. Dans l'église, in the church, Dieu nous prêche. God speaks to us. Mais dans le secret aussi. But in the secret also, Dieu nous prêche. God speaks. C'est là où il nous montre. That's where he shows us. Regarde ici. Look here. Regarde ici. Look here. Regarde ici. Look here. Et chaque personne qui a cru le royaume, every person that believed the kingdom, la plupart, most of them, ils disent toujours, they always say, lorsque j'ai entendu ces choses, when I heard these things, je suis parti réétudier, I went to study again, et j'ai vu ça, and I saw it, comme le frère m'a dit, as Brother Elijah told me, lui il a fait ça en réalisant les 70 semaines d'année, and he saw that by reading again 70 weeks of Daniel. Amen. 77 années. Et moi personnellement, c'est lorsque je suis parti réunir les sept sceaux. When I went to read the seven sceaux, les sept âges de l'Église. The seven churches. Mais la chose qui m'avait intrigué, the thing that really struck me, c'était les 10 vierges et les 144. It was the 10 virgins and the 144. Lorsque le frère Branham parle de Daniel 7, when God, for when Branham speaks of Daniel 7,
Il parle du trône blanc. He speaks of the white throne. Et il parle aussi de la nuée. He also speaks of the cloud. C'est là où j'ai compris que la nuée a été mal comprise. That's why I understood that the cloud was misunderstood. Et je devais marcher. And I had to walk on. Il parle de vie. He speaks of the two wine. Il dit le corps de Christ. He said the body of Christ. L'épouse. The bride. Mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou seulement de nom. But they speak to the entire body of whom he calls, so whether they are truth. Ok. Comme tout Israël n'est pas Israël, tous les chrétiens ne sont pas chrétiens. As all Israel is not Israel, so all Christians are not Christians. Et nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse. Thus we've learned that the church is made up of two wines, the truth, vines, the truth and the false. Deux sortes d'esprit motivent les deux vignes. The two vines are motivated by two kinds of spirits. L'une des vignes a le Saint-Esprit. One has the Holy Spirit. Alors que l'autre est revêtu de l'esprit de l'Antichrist. Why the other is in agreement with the spirit of Antichrist? Amen. Dans la même église. In the same church. Dans le même message. In the same message. Dans le message de Noé. In the message of Noah. Il y avait. Dans le message de Moïse, pardon. In the message of Moses. Il y avait Corée et Gatam. There was Corée and Dathan. Et il y avait aussi Josué et Caleb. There was also Joshua and Caleb. Deux vignes. Two, one. Tous les deux suivaient les messages de Moïse. Both of them followed the message of Moses. Mais les autres combattaient Moïse. But the other fought Moses. Mais les autres là. But the others croyaient Moïse. Believed in Moses. Mais tous prétendaient être dans les messages de Moïse. But both pretend to be in the message of Moses. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Alors que l'autre est revêtu de l'esprit de l'Antichrist. Why the others, the spirit of Antichrist? Donc dans la même église, the same church, les autres ont l'esprit de Dieu. The other have the spirit of God. Mais les autres ont l'esprit de l'Antichrist. But the other have the spirit of Antichrist. Donc ne cherchez pas l'Antichrist au Vatican. Don't look for Antichrist in Vatican. Il est parmi les croyants du message. Among message believers. Durant le service de l'Église, during the church. Tout était bien. Everything was fine. Mais le Père me dit. But the man said, que lorsque nous arrivons, les deux vignes arriveront à maturité. When the two vines get to maturity, c'est là où on saura qui est qui. That's when we know who is who. C'est là où nous sommes maintenant. That's where we are now. Là où, c'est là où vous allez voir que les gens rejetaient ce que William Branham a dit. That's where you see people reject what William Branham said. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ont leur propre compréhension de la révélation. Because they only have, their own comprehension, understanding of the word of God. Parce que il y a deux vignes. Because there's two ones. L'autre vigne, one, c'est l'Antichrist. It's the Antichrist. Mais le Père Branham nous dit, but Branham says, que les deux vignes devaient aller côte à côte jusqu'à la fin des âges. Two ones were supposed to go side by side up to the end of the church ages. Il y avait une confusion entre les deux durant les âges. There was a confusion between the two during the churches. Mais lorsque nous arrivons à la fin des âges, when we get to the end of the age, et que Dieu revient, God comes avec la révélation de la parole, with the revelation of the word, et nous allons voir maintenant qui va croire et qui va rejeter. And then we will see who will believe and who will reject. Parce que durant les âges de Christ, so during the church ages, les gens ne croyaient pas. People didn't believe. C'est Jésus qui croyait pour eux. It was Jesus believing for them. Parce qu'il était là comme intercesseur. Because he was there as an intercessor. Mais quand l'intercession finit, now when the intercessor finished, tu dois croire toi-même la parole. You have to believe by yourself the word. Tu crois ou tu ne crois pas. You believe or you don't. Et cela se diffère par la définition qu'il a donnée. That depends on the definitions that he gave. Quand il parle de la ville, when he speak of the city, il nous dit c'est quoi la ville. He tells us what the city. Quand il parle du ciel, when he speak of heaven, donc une ville qui descend du ciel, a city that comes from heaven, donc ce n'est pas déjà une ville qui descend au-dessus de nous. There is not a city that comes above our heads. Ça, on nous dit déjà. That one we should. Et il nous dit aussi, he also tells us, que la ville s'est préparée comme une épouse. That the city prepared as the bride. Oh, Londres,
London, ou bien Kinshasa, ne peut pas se préparer comme une épouse. Cannot be prepared as the bride. Donc ici on voit la ville qui a une connotation de l'épouse. Here we see the city with the connection of the bride. Amen. The bride. Et en descendant là-bas, going down there, il dit aussi que, he also says, voici maintenant la voix du parle du trône. Now when the voice speaks of the throne, et la voix nous dit, the voice says, voici le tabernacle de Dieu. Behold the tabernacle of God. Oh, c'était une cité. It was a city. Après c'est devenu une ville. And then it becomes a city. Après c'est l'épouse. And then the bride. Qui se prépare pour son époux. And that prepares for the bridegroom. Et après c'est devenu un tabernacle. And then it becomes a tabernacle. Qui descend avec des hommes. It means descend with men. Amen. Amen. Mais quand on arrive à la fin, when we get to the end, c'est là que se produit la bataille de deux vignes. That's where the two ones fight. Parce que la vraie vigne, because the true one, va commencer maintenant à saisir ce qui était dans la pensée de Dieu. We start catching what was in the mind of God. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens attendent des choses au futur. That's why people are waiting for things in the future. Parce que c'est deux de deux vignes. Because it's two one. La vraie vigne. The true one, quand elle étudie la parole, when he studies the word, elle se dit que les choses qu'on attendait donc c'est du passé. He says, when he studies the word, he knows the thing that we are waiting for is past. Donc l'épouse qu'on attendait, that the bride we were waiting for, c'est la cité. It's a city qui est descendue, which has come. Donc cette cité là, that city qu'on attendait avant, that we were waiting for, elle est descendue. Has already come. Comme Jésus avait dit, as Jesus said, je m'en vais vous préparer. I go to prepare. Quand je reviendrai, je ramènerai. I will bring. Et quand Jésus est venu, and when Jesus came, il a ramené nos demeures. He brought our dwelling place. Et Jésus dit, and Jesus, et le Père nous dit, Brabantos, que ce ne sont pas les maisons faites de briques et de bois. It's not houses made of bricks. Alors, si on croit que Jésus est venu, now if we believe that Jesus is, on doit se croire que, we also have to believe, les demeures sont descendues. That the dwelling places have come. Or les demeures en question, the dwelling places, c'est ça la ville. That's the city. Amen. Donc, c'est-à-dire que la ville de Père et de lumière est descendue. It means the city of life has come down. Amen. Amen. Et les femmes de la Bible dit, and Brabant said, the Bible says, il n'y aura pas de soleil de la ville, there will not be a sun, parce que l'agneau sera son soleil, because the lamb will be his sun. C'est l'agneau qui va éclairer. It's the lamb that will shine. Et l'agneau éclaire comment? How does the lamb? La lumière c'est la connaissance. The light is a knowledge. La Bible dit, the Bible says, que la connaissance augmentera. That knowledge shall increase, will increase. La connaissance, the knowledge, c'est la lumière. Is the light. Parce que si on éteint les lumières ici, if we turn off the lights, comme j'ai toujours dit, as I always say, que nous allons commencer à nous heurter ici. Mm-hmm. Nous allons commencer à nous heurter. Donc tout à l'heure. Nous allons commencer à nous knocking each other. Pourquoi? Why? Parce que je n'ai pas connaissance de ce qui est devant moi. Because I have no knowledge of what is before me. Mais quand on allume la lumière, but when you turn on the light, j'ai maintenant la connaissance. Now I have the knowledge de ce qui est devant moi. What is before me? Donc la connaissance, and the knowledge, c'est ça la lumière. That's the light. Donc voilà pourquoi nous chantons. That's why we sing. Jésus la lumière du monde. Jesus the light of the world. La Bible dit, the Bible says, que sa parole est une lampe à mes pieds. That his word is a lamp in my, on my feet. Qui éclaire mon sentier. Which clears my way. Donc, voilà la lumière en question. That's the light in question. Qui éclairera la ville. Which will give light to the city. Une grande connaissance. A great knowledge. C'était ça la lumière. That's the light. Mais quand nous sommes devant les deux villes, but when we are before the two miles, c'est compliqué. It's compliqué. Écoutez. Listen. Attends, je continue avec le résumé des âges. Les femmes l'ont dit. Baba l'a dit. Nous avons ensuite appris que ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Both claimed to know. Nous avons appris que les deux vignes, que ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. We further learned that these two ones will grow side by side until the end of age.
où elles arriveraient toutes les deux à maturité. When both will come to maturity. Et seraient toutes les deux récoltées. And both be harvested. La force vigne ne parvenait pas à vaincre et à détruire la vraie vigne. The false one will not overcome and destroy the true one. Amen. Mm-hmm. Donc la force vigne, the false one, n'a aucune possibilité de détruire la vraie vigne. Has no possibility to destroy. Donc tu n'es rien. So don't fear. Mais aussi, but also, la vraie vigne, the true one, n'arriverait pas non plus à amener la fausse vigne à une révélation salvatrice avec Jésus Christ. Neither would the true one be able to bring the false one into a saving relationship. Frère, même si on prêche comment? Brother, even if we preach, allez à la dénomination. Go to the denomination. Va expliquer le frère Branham. Go explain Brother Branham to them. Personne ne te croit. No one will believe you. À moins que vous soyez une semence. Unless it's a seed, a semen. Seed. Pouvez-vous imaginer? Imagine. Un homme comme Jésus. Men like Jesus, qui guérissait le malade, who was healing their sickness, qui a prêché la parole avec toutes les profondeurs, who preached the word with all deepness. À la fin de ça, at the end of it, on les prend, on les crucifie à la croix. Take him, they crucify him at the cross. La fausse vie. The false one. William Branham. William Branham. Il y a personne qui a prêché la parole avec profondeur comme lui. There's no one that preached the message with a deeper message like him. Et cet homme de Branham, and that man of Branham, il a vécu une vie propre. He lived a clean life. Mais allez sur internet. But go to internet. Allez voir ce qui est écrit contre lui. Go and see what they're writing against him. La fausse vie. The false one. Et dans le message, and in the message, nous avons aussi des fausses vies. And we also have false one. Qui sont capables de rejeter même ce que William Branham a dit. Who are able to reject even what Branham said. Les gens qui étaient partis de l'autre côté. People who were on the other side. Quand ils ont vu le frère Branham, ils ont dit notre précieux frère. They say our precious brother. Si tu n'étais pas venu, if you did not come, on ne serait pas ici. We wouldn't be here. Mais les gens qui sont ici sur la terre. But the people who are here on earth. Proclamant qu'ils sont les croyants du ministère de Branham. Not claiming they are the believers. Et quand le frère Branham parle, when Branham speaks, et il rejette ça. They reject it. Il cherche à expliquer. This protracted. Non, quand il avait dit ça, when he tried to, when il voulait dire que c'est ça ici. Says this and that. Fausse vie. False one. Mais comme toutes les deux portent le nom du Seigneur, as both bury the name of the Lord, en s'appelant chrétien entre parenthèses de Christ, calling themselves Christians or in bracket Christ. Et se réclame par ce nom d'un lien avec lui, que Dieu appelle mariage. Dieu les tiendra tous les deux pour responsables envers lui. Et par conséquent, il s'adresse aux deux. He speaks to the two. Donc, le message de Frère Branham, the message of Frère Branham s'adresse aux deux. Speaks of them two. N'attendez pas que tout le monde puisse croire la même chose. Don't wait for everyone to believe the same thing. Amen. Donc quand moi je vois ce que William Branham dit, when I see what Branham said, je marche. I walk. Que le pasteur de la grande église croit ou pas, whether the pastor of the great church believes or not, là ce n'est pas mon problème. That's not my problem. Je vois, je marche. I'll see and I walk. Moi mon devoir, moi, my duty, c'est de rester avec Frère Branham. It is stable with Brother Branham. Mais comme toutes les déportes du nom du Seigneur, oh, ça j'ai déjà vu ça. Nous avons ensuite appris que ces deux villes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Non, ça j'ai déjà vu ça. Voilà. Maintenant. Non. Pourquoi est-ce que j'apporte le mystère de pousse? Why am I bringing the mystery? Parce que tout le monde dit que je suis épouse. Because everyone says I'm the bride. Dire d'être épouse, saying that you are the bride, c'est en quelque sorte dire que je suis Jésus. In the other way, it means you're saying that you are Jesus. Parce que le message de Frère Branham, because the message of Frère Branham, c'est de nous dire que nous sommes Dieu. Is to tell us that we are God. Parce que c'est nous qui formons Dieu. It's us who form God. Il avait dit que il sera dans son peuple. He said that he will be in his people. De faire un message. Baba Nam said. Alors quel message n'apporte aux gens un message pour
pour le pousser à me suivre ou à s'attacher à mon assemblée. Mm. Donc le frère Branham ne prêchait pas son message pour établir les gens dans les églises. Frère Branham never preached a message to put people in his churches. Donc in the churches. Le frère Branham dit, Frère Branham says, que le péché c'est manquer le but. That sin is to miss the purpose. Oh, si nous prenons le message, if we take the message, comme quelque chose qui nous établit dans les assemblées, as something established in our churches, c'est ça le péché. That's sin. Mm. Le message n'est pas là pour nous établir dans les assemblées. The message is not here to establish us in assemblies. Le message est là pour nous connecter à la divinité. The message is here to connect us to the deity. Donc, quand tu es dans le message, when you are in the message, tu dois connaître que you have to know tu es toi-même une divinité. You are yourself a deity. Comme le frère là qui cherchait le Saint-Esprit. As that brother who was looking for the Saint-Esprit. Il va dans les écoles. He goes to school. Il ne trouve pas ça. He can't find it. Il va chez les pentecôtistes. He goes to Pentecostals. Il ne parle pas en langue. He does not speak in tongues. Il fait mon âme. He said, brother, je cherche le Saint-Esprit. I'm looking for the. On m'a dit que toi tu peux m'aider. They say you can help us. Le frère Branham lui dit, says, tu as déjà le Saint-Esprit. He said you're looking. Il dit non, mais moi je ne l'ai pas. He said, le frère Branham lui dit, says, que le désir là qui te pousse à aller chercher le Saint-Esprit, c'est ça même le Saint-Esprit. That's the Holy Spirit. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Amen. Happy are those who are thirst of righteousness. What a taste of righteousness. Ils seront rassasiés. They will be filled. Frère, on ne peut pas suivre le message des frères Branham si on n'a pas soif. We cannot follow the message of Branham if we have got the test. Et la soif en question, and the test in question, c'est ça même la divinité. That's amen. Et c'est ça la profondeur qui est attirée par une autre profondeur. That's the deep calling into another deep. Donc c'est une connexion. It's a connection. C'est ça le message des frères. That's the message of Branham. On peut être membre de l'église, we can be church member, sans être épouse. Without being Amen. Bride. Beaucoup des églises du message ne sont pas épouses. So many churches, messages are not the bride. Beaucoup, many of them. La majorité même. Majority. Parce que l'épouse c'est juste un petit nombre. Because bride is only a small number. Parce que l'épouse, because the bride, c'est celle qui croit frère Branham, is the one that believes et Branham. Qui se confie en frère Branham. And have faith in Ramana. Il faut parler ici. Ou à fonder un groupe, to form a group, une organisation. Et organisation. Écoutez, je n'ai jamais fait cela. I've never done it. Et pourtant, il a parlé de Ramana. He has Ramana. Mais il dit qu'il n'a jamais fait ça. He says he has never done it. Dernièrement, on avait vu. Last time, que le frère Branham nous dit que si il nous amène à Branham Tabernacle, that if he brings, he takes us to Branham Tabernacle, il dit que c'est aussi fautif que tous les autres. He says it's also wrong as the rest of them. Une bonne église n'existe pas. There is no better church. C'est vrai. Grande qu'elle soit, whether it's big or not, petite qu'elle soit, big or small, y a aucune bonne église. There is no better church. Elles sont toutes des loges. They are all lodges. Le frère Branham me dit, on peut se joindre à une loge. We can join to a lodge. Quelqu'un peut venir ici someone can come pour se faire membre de cette église. Become member of this church. Tant qu'il vient ici pour se joindre à nous, à l'église. As when you come to join this church. Donc il est membre de loge. He's a member of this lodge. De notre loge ici. Of this lodge here. On nous avons nos maîtres ici. Where we have our masters here. Amen. Maître Joseph. Master Joseph, Master Praise. Amen. Amen. Mais si il est né, but if he is born en Christ, in Christ. C'est ça être épouse. That's being the bride. Et être épouse, being the bride, ne fait pas de vous automatiquement membre de l'église. Doesn't make you automatically a member of the church. Être membre de l'église, be a member of the church, ne fait pas de vous aussi automatiquement une épouse. Doesn't make you automatically the bride. L'épouse, the bride, c'est la personne qui a la connexion directe. It's the person who has a direct connection with the bride. Tu peux venir à ma maison. You can come to my house. Quand nous étions là tous, when we were all there, il y avait le frère Passin qui était là. Passin was there. Il y avait Peggy. Peggy was there. Il y a les enfants. Children. Et puis il y a ma femme. And my wife. Mais tout le monde n'est pas connecté. Everyone are not connected. Le frère Passin, c'était quelqu'un qui était venu. But a person is someone who came. Il est venu là pour un temps. He came here for a certain time. Après il est parti. And then he left. Amen. Peggy était venu. Peggy came. Après quelques temps. Et
partie. Faire partie de cette maison-là, cela ne veut pas dire que bah, du Congo est Malongo. Being part of that house doesn't mean they change the name of Malongo. N'est-ce pas, frère? Oui. Tu devais changer ton nom. Enlever le nom de Malongo. Non. Il était dans la maison. He was in the house. Dans les loges. In the loge. Mais il n'était pas Malongo. Il n'était pas Malongo. But he was in Malongo. Tu peux être dans ce qu'on appelle le message. You can be in what we call the message. Mais tu n'as pas de connexion. But you have no connection. La fausse vie. C'est la chose qui nous cause des troubles. That's the one causing trouble. Aujourd'hui, nous voulons comprendre Frère Branham avec une nette compréhension. Today we want to understand Frère Branham with a right understanding. Frère Branham dit ceci. Il dit, je ne le ferai pas maintenant. I will never do. I will not do it. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. I have no interest in those things. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. I have one interest for the thing of God. Et pour les gens. And of the people. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. And I'll be satisfied if I can fulfill one thing. C'est quoi la chose? What is the thing? Voir un établissement des relations. Seeing a relationship entre Dieu et les hommes. Between God and men. Que les gens deviennent de nouvelles créatures. That men have become the new creature. En Christ. In Christ. Comme on a parlé de Joseph. As we spoke of Joseph. Joseph, quand il était en Égypte. Joseph, when he was in Egypt. Il était toujours un enfant de Dieu. He was still the son of God. Dans la prison. In prison. Il était lui-même un enfant de Dieu. He was himself the son of God. Peu importe ce qui était arrivé. No matter what happened. Mais en lui, il avait une connexion avec le ciel. In him, he had a connection with heaven. Et être l'épouse, being the bride, c'est d'avoir une connexion avec Dieu. Is to have a connection with God. Et Frère Branham dit, and Brother Branham la preuve du Saint-Esprit, the proof of the Holy Spirit, vous devez croire à toute la parole. That you have to believe the whole word. Ce n'est pas trembler. It's not to shake. C'est croire la parole. Is to believe the word. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? What was the Holy Spirit given to us? C'est pour croire la parole. Is to believe. Parce que le Saint-Esprit, because the Holy c'est Dieu, Spirit, c'est Zoé. It's God, it's Zoé. Pas au niveau de l'esprit. Not in the spirit level. Mais au niveau de l'âme. In the soul. Écoutez maintenant. Listen. La Bible dit. The Bible says. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me transporta en esprit. He carried me away in the spirit to a great high mountain. Il est d'abord transporté en esprit. He first was transported in the spirit. Carried. Donc la montagne est là. That mountain. Ce n'est pas la montagne comme vous connaissez. It's not a mountain like you know. Parce qu'il n'est pas transporté physiquement. He wasn't carried physically. Il est transporté en esprit. He was transported in the spirit. Amen. Amen. Donc, le corps n'a rien à voir là-dedans. The body has nothing to do in there. Il est parti sur une grande montagne. He went to the high mountain. Et il me montra la ville sainte. And showed me that great city. Transporté en esprit. Carried in spirit. Donc ce qui est esprit. What is spirit? Ne voit que les choses hein? Esprit. You can only see, you can only see spirit things. Et il voit une montagne. Hein? Esprit. He sees a spirit mountain. C'était une haute montagne. It was a very high mountain. Le sommet. The top. Rappelez-vous. Remember. Le frère Branham. Branham. Dans la vision de Gino Jackson. In the vision of Gino Jackson. On voit le frère Branham. We see Branham. Qui coupe le sommet. Who cuts the top. De la pyramide. Of the pyramid. Et au sommet là. And in that top. Il y avait une pierre de cristal. There was a crystal stone. Et il y avait des écrits là qui n'ont jamais été interprétés. And there was words written there was which has never been translated. Il dit à ces gens-là, he said to those people, restez ici, stay here. J'arrive. I'm coming. Je m'en vais chercher l'interprétation. I'm going to look for the interpretation. Et quand il est descendu, when he came back, bah qu'on sort d'église déjà. He went to start the church. Mais ils ont créé des églises. They created churches. Sans message. Without the message. C'est ça les dégâts. That's the problem. C'est ça les dégâts. That's the problem. Les femmes n'ont pas parlé d'ailleurs, mais j'ai un message. Courir sans un message. Running without a message. Il y avait une porte. There was a door. Avec les mots de passe. With a password. Les gens commençaient à courir. People start running. Sans mots de passe. Without a password. Ils ont couru. They ran. Quatre niveaux. Four. Le pasteur. Pastor. Jet privé. Private jet.
church. Amen. Amen. The grandes églises. Great church. Concurrence. Concurrence des églises. Ok. Mais. But. Sans le message. Without the message. Et la petite frère dit. Oh, mon ami. Tu as oublié l'essentiel. Amen. Laisse-moi tranquille. Je suis un grand pasteur. J'ai une grande église. Mais. Parce que l'apogée du ministère du ministère de Frère Branham. Frère, c'est la Niwe. Amen. C'est la Niwe. La pierre de fait. Quand c'est vrai que ça, on est à mesure. C'est quoi la New Age? C'est ça le mot de passe. Ça n'est pas simplement prendre la photo de la New Age. Parmi l'église, le coquille, explique-nous. Où est le passeport? Ils ont couru. Arrivé devant la porte. Passeport. Toi, tu as le passeport. Essaye de le péter. Donne-moi le passeport. Il est là-bas. Mais je vais faire comment? Donc tu dois encore repartir pour aller chercher le passeport. En d'autres termes, tu dois détruire tout ce que tu as construit. Repartir à zéro. Parce que vous avez construit sans le plan. Frère, ok, on est ici pour le boulot. On est dans la table. Tu commences à construire une maison. Moi je dis, mon frère, qu'est-ce que je fais? Non, je suis en train de construire une maison. Ah, c'est pour toi même aussi. Frère, où est le plan? Quel plan? Les construits, c'est pas comme ça. Non, frère. Si tu continues à construire la maison là, ça va se couler. Frère, moi dans une maison comme ça, je n'entrerai même pas. Mais il n'a rien à faire, je n'ai même pas. C'est un risque. Frère, une maison qui est construite sans le plan. Une maison construite sans le plan. Frère, ne passez même pas une seconde là-dedans. Et il me montra la ville sainte. And he showed me the holy city. C'est quoi la ville sainte? What's the holy city? Jérusalem. Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Descending out of heaven from God. Ayant la gloire de Dieu. Having the glory of God. Rappelez-vous. Il a été transporté en esprit. He was transported in the spirit. Il voit la ville sainte. He sees the Holy Spirit. Jérusalem. The holy city. Et la ville là, that city se préparait comme une épouse. Was prepared as the bride. Vous voyez la connexion? You see the connection? Entre l'épouse et la ville. Between the bride and the city. Et la gloire de Dieu. Having the glory of God. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. And the stone most precious. D'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Even like a jasper stone, clear as crystal. Les pierres qui ont été coupées du haut de la pyramide. The stone which was cut up on the top of the pyramid. C'était du cristal. It was crystal. Quand la pierre descend, when the stone, quand on parle de cristal, c'est clair. When we talk about crystal, it's clear. Donc, la pierre quand ça descend, the stone, when it ça vous ramène la nette compréhension. Bring us the right understanding. Ce n'est pas ce que nous pensions dans les anges de Christ. It's not what we think of in the church. Ce n'est pas ce qu'on était en train de penser dans les anges. It's not what we were thinking of in the church. Et quand la pierre descend, when the stone comes, ça ramène des définitions différentes de tout ce que les anges connaissent. It brings different definitions of what denominations know. C'était comme ça avec Jésus. That's how it was. Jésus était la pierre de fait de la dispensation des Juifs. Jesus was the perfect. The capstone in the dispensation of the Jews. Quand Jésus est venu, when Jesus came, pour les Juifs, for the Jews, le Seigneur descendait
sur les tabernacles, dans les tabernacles. The Lord will come down in the tabernacle. Mais quand Jésus vient, when Jesus came, il regarde le temple. Look at the temple. Il dit détruisez-moi ce temple. Destroy me this temple. Dans les trois jours, in 3 days, je l'ai rebâti. I will build. Maintenant la force vient. Now the force vient. Dit oh mais qui est celui-ci? Say, who is this? Il veut dire qu'il est le plus intelligent. I want to say the most. Il veut dire qu'il dépasse les ingénieurs au temps de Salomon. He is more intelligent than those engineers. Mais le tabernacle va s'en prendre des années pour la construire. The first tabernacle took years to build. Lui il va reconstruire ça en 3 jours. He's going to build it in 3 days. Et la Bible dit, and the Bible says, en parlant comme ça, speaking like that, il parlait de son corps. He was speaking of his body. Et Jésus vient maintenant changer. Jesus come and change things. Mais quand il appelle les disciples, when he calls the disciples, dans la chambre, in the room, il explique, he explains. Tu vois le temple là? You see that temple? C'était mon corps. Me, was my. Mais quand il parlait, when he was speaking, il regardait vraiment le temple. He was looking at the temple. Les gens étaient là. People were there. Il regarde le temple. Il a commencé à voir par admirer le temple. Non, quelqu'un admirait le temple. Someone was admiring. Et lui, lui dit, vous voyez le temple là? And he said, you see that temple? Il ne restera ni pierre sur pierre. And so he not left one stone. Pourquoi? Why? Parce que Dieu n'avait plus besoin de ça. Because God didn't need that. Amen. À ce temps-là, because in that time, Dieu n'avait plus besoin de tabernacle et de briques. God didn't want the tabernacle or bricks. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait avec les mains d'un homme. God doesn't dwell in what is made by hand by man. Construisez vos tabernacles comme vous voulez. Dépensez des millions de dollars comme vous voulez. Many millions of dollars as you. Mais laissez-moi vous dire, but let me tell you, que Dieu n'habitera jamais là-dedans. God will never dwell. Parce que lui, il s'est déjà choisi son lieu d'adoration. Et le frère Balaam nous a dit que le lieu qu'il a choisi pour habiter, c'est dans son épouse. Pas dans une église, pas dans Branham Tabernacle, pas dans Eric Tabernacle. Dieu n'est pas dans Eric Tabernacle. Je dis et je cite. Non, mais je suis là-bas. Me, I'm there. C'est le fait Éric. Nous ne savons pas la vérité. Non. La vérité, c'est la parole. Il n'y a aucune plus que la vérité. No, la vérité, c'est en Christ. Amen. Et Christ, c'est le pouce. Parce que tout ce qui était à Jésus, all that was in Jesus, il a déversé dans le pouce. Amen. Puissance. Domination. Tout ce que Jésus était. Oh, what Jesus was. Jésus disparaît. Jesus disappeared. Et il devient l'épouse. Voilà la connotation de la ville. That's the connection of the city. On dit que Dieu lui-même, you say God himself, sera avec eux. Will be with them. Oh, quand Dieu est avec eux, when God is with them, Dieu devient eux. That God becomes them. Et nous m'en fait. Et nous m'en fait. Amen. Celui qui était Moïse, the one who was Moses, c'était le même Dieu. It was the same God. Celui qui était Abraham, the one who was Abraham, c'est le même Dieu. The same God. Et Jésus, and Jesus, c'est le même Dieu. The same God. Et il devient Branham, c'est toujours le même Dieu. Et aujourd'hui, il a choisi d'être toi et moi. Toujours le même Dieu. Dieu dans la continuité. Alléluia. Tu vas voir Dieu. Have to see God manifesté dans ton âge. Tu es dans l'âge de faire ça. Tu cherches Dieu. Tu dois aller voir Paul. Alléluia. Dans l'âge de Smyrna. Tu as besoin de Jésus. On t'envoie chez Irénée. Dans l'âge de Barnabé. Dans l'Odyssée. Tu cherches Dieu. Tu dois aller à Kentucky. Et quand on passe maintenant, ouais, on parle des bons de Barnabé. Tu cherches Dieu. Je suis l'épouse of the bride. Mais tu cherches Dieu. We are looking for God. Non, non, non. Non. Father m'a dit que la puissance qui a appelé le monde à l'existence s'est trouvée dans l'être humain. Toi, tu le cherches où? Where are you looking for?
are you praying? Demander des choses. Demander du contrôle sur la puissance. C'est celui-là qui avait arrêté le soleil. Les dieux qui étaient dans Moïse, c'est celui-là qui avait séparé les eaux. Et les dieux qui est en vous, c'est celui-là qui fait le travail. Le frère Ramdi, dans la prédication, c'est lui qui est en vous. And the same man, the one is in you. J'étais en train de suivre cette prière. I was following that message. D'entrée, le frère Banon va lire l'écriture. To start, Banon was reading the scripture. Après, il commence à lire. And he started saying. J'étais sur le mont Colorado. I was in the mount called Colorado. La météo avait prévu une grande tempête. The weather was supposed to have, a great tempest. Mais quand je suis parti là-bas, and when I went there, quand il commençait à faire mauvais, when the weather was bad, j'allais descendre et repartir. I was about to go down and go. Il dit, et une voix m'a dit, and a voice from me, retourne, go back. Le titre de la prédication, c'est lui qui est en vous. The title of the message is the one that is in you. Frère Branham dit, bien que cela soit contraire. Even ce que les gens disent, even that is contrary to what people say. Mais ce que lui dit, but what he says, reste toujours, il a toujours raison lui. He always have reason. Et le frère Branham repart. And the brother goes. Pendant que le temps devenait mauvais, as the time was getting bad, quand il arrive là-bas, when he got there, et Dieu lui dit, and God told him, veux-tu rester un peu avec moi? You want to stay a little bit with me? Le frère Branham dit, ils ont commencé à marcher. So when they start walking. En regardant comme ça, looking at il était seul. It was alone. Mais il a marché avec Dieu. Mais il a dit, quand j'ai regardé ma main, je ne vois pas ce que le frère qui dit. Brahman, I'm saying it. Quand j'ai regardé ma main, when I look at my hand, il était devenu jeune. It became young. Je marche avec lui. I walked with him. Après, il m'a dit, n'est-ce pas Jésus le Dieu qui a créé les écureuils? Am I not the God that created the squirrels? Parle à cette tempête. Speak. Dieu n'a pas dit que moi je vais parler. God never said I will speak. Il dit à Branham, parle. Speak. Parce que qu'est-ce que Dieu faisait? Why did God? Dieu voulait nous montrer que je suis déjà en toi. So God was saying that I'm already in you. Moi je ne vais pas parler à ta place. I'm not going to speak. Toi-même, Branham, you, Branham, parle à ta place. Speak in that temple. Et le frère Branham prononça le mot. But when they speak, say a word. Il dit, he said, tempête, retourne d'où tu viens. Je ordonne au soleil à commande le sun de revenir encore. To come back again. Je ordonne au soleil de revenir. À commande le sun to come back. Et le frère Branham me dit, and Branham says, et soudain, and suddenly, le soleil était revenu. The sun came up. La tempête s'est calmée. The wind stopped suddenly. Quand il descendait de la montagne, when he was going down the mountain, il dit aux gens, il fait beau aujourd'hui. It's very good today. Les gens disent, oui, mais c'est bizarre. Yes, but c'était prévu qu'il y ait une grande tempête, une grande chute de neige. It's supposed to be a very great snow. Fall. On ne comprend pas ce qui s'était passé. We don't know what happened. Or, celui qui était sur la montagne, the one who was in the mountain, était descendu maintenant. Came down. Alors, au Petro Station. In Petro Station. Dieu voulait lui montrer, God wanted to show, qu'il était déjà en lui. That he was already in him. Et en parlant de l'épée, and speaking of the, le frère Branham a dit que la voix venait du dedans. Branham said the voice came from inside. Donc Dieu a déjà placé tout ce qui est en lui dans l'épouse. God has already placed everything that is in him in the bride. Donc, tout ce que nous désirons, everything that we need, puissance, power, domination, dominion, c'est déjà en nous. It's already in us. Donc le but simplement c'est donner des coups pour nous réveiller. We just have to punch each other to wake ourselves up. Et saisir exactement qui nous sommes. And to know what we are, who we are. L'identité. The identity. Si vous prenez l'eau dans l'océan. If you take the water in the ocean. Vous prenez l'océan. You take water from the ocean. Ok. C'est la même chimie. It's the same chemical. Vous prenez l'eau là. You take the water. Vous remettez dans l'océan. Bring it back. Est-ce que vous allez retrouver ça? Are you gonna find it? C'est exactement la même chose. It's the same thing.
Ça va se diluer dans l'océan. It will all mix in the ocean. C'est ce que Dieu a fait. That's what God did. Dieu et l'épouse. God and bride. C'est la même matière. It's the same material. Dieu s'est mêlé à l'épouse. God is mixed with comme bride. C'est la même matière. It's the same material. Il devient lui-même maintenant épouse. He becomes himself the bride. Donc l'époux et l'épouse, bride and the bride, devient un seul être. C'est en cela que l'épouse est devenue Dieu lui-même. The bride and the bride. Parce que le frère Branham me dit, God Branham said, quand les seaux sont ouverts, when the seals were opened, Jean pleurait avant. John cried before. Et après Jean a arrêté de pleurer. And John stopped crying. Pourquoi? Why? Il dit Jean pleurait parce que sans le livre, personne ne pouvait être. So John was crying because without the book. Mais quand le livre est devenu, when the book came, ce qui nous séparait de Dieu, what separated us from God, est ôté. Were taken away. Nous sommes redevenus un. We have become one. Avec lui. With him. Le frère, la Bible dit. The Bible says. 12. Il avait une grande et haute muraille. He had a wall great and high. Il avait 12 portes et sur les portes 12 anges. And had 12 gates and at the gates 12 angels. Et des noms inscrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. And names written thereon, which are the names of the 12 tribes of Israel, of the children of Israel. Je me souviens de quelque chose que m'avait dit. I remember something someone told me. Quelqu'un qui était venu de l'Afrique, de someone Congo, de Kinshasa. Someone came from Kinshasa, Congo. Donc il entendait les gens dire porte de Clignancourt. He used to have people saying porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Ou porte de la chapelle. Porte de la chapelle. Mais arrivé à Paris, getting to Paris, lui il cherchait la porte de Clignancourt. He was looking for the porte de gate. Called oh, ce n'est pas une porte. It's not a door again. C'est un nom. It's a name. Vous voyez la compréhension? Si, d'accord. Porte de la chapelle. Porte, or door of chapel. Ici, on parle de portes. Here, we speak of doors. Il y a sur les portes, il y avait 12 anges. And, you know, on the doors, there were 12 angels. Et des noms écrits. And names written.